Henry Colder, un inspecteur spécialisé dans la sécurité des parcs d'attractions, est appelé à enquêter sur une série d'accidents mortels survenus sur des manèges. Il découvre rapidement que ces accidents ne sont pas dus au hasard, mais qu'ils ont été provoqués par un terroriste dans le but d'estorquer une rançon d'un million de dollars. Lorsque Colder apprend que plusieurs grands PDG qui possèdent des parcs d'attractions se réunissent en secret dans un hôtel de Chicago, il décide de s'immiscer dans leur discussion pour découvrir ce qu'il se passe. Mais il n'est pas le seul puisque le terroriste a placé un micro dans la pièce pour les entendre pendant qu'ils écoutent sa cassette contenant ses demandes d'extorsion. Quand il entend Colder avertir les PDG de le traiter comme une menace crédible, le terroriste décide d'inclure celui-ci dans ses plans. De leur côté, les autorités envoient sur place l'agent spécial Hoyt qui remercie Colder d'avoir fait appel au FBI mais lui fait comprendre qu'il n'a plus besoin de ses services jusqu'à ce que le terroriste les appelle et les informe qu'il veut que Colder soit celui qui livre l'argent. James Goldstone, qui a réalisé certains des plus grands succès de la télévision américaine des années 60, est né à Los Angeles le 8 juin 1931. Il étudie d'abord l'art dramatique et travaille à la télévision en tant que scénariste et monteur, avant de devenir réalisateur pour des séries telles que Le deuxième pilote de Star Trek en 66, ainsi que d'autres séries comme Le Fugitif, Au-delà du réel ou Voyage au fond des mers. C'est en 68 qu'il réalise son premier long métrage, Un Colt nommé Ganon puis enchaîne avec quelques films mineurs dont le plus connu restera Virage en 69 avec Paul Newman en vedette. En 76, il dirige Robert Shaw, l'inoubliable Quint des Dents de la Mer, dans le divertissant Les Pirates des Caraïbes, avant d'être engagé par le studio Universal pour mettre en scène le toboggan de la mort. Son dernier film, Le jour de la fin du monde, sort sur les écrans en 1981 et sera un énorme échec public et commercial malgré la présence de Paul Newman, William Holden et Jacqueline Bisset. Il faut dire que le film Catastrophe n'attire plus les foules et vu la qualité de celui-ci, ça ne pas d'inverser la tendance. Au cours de la décennie suivante, James Goldstone ne réalisera qu'une poignée de téléfilms et mettra fin à sa carrière en 1990. Goldstone était ce qu'on appelle un bon artisan qui aura surtout travaillé pour la télévision et peu pour le cinéma. Il est décédé en 1999 à l'âge de 68 ans dans un total anonymat. George Segal était l'une des principales stars d'Hollywood du milieu des années 60 au milieu des années 70, né à New York le 13 février 1934. Il commence à étudier l'art dramatique et fait ses débuts au cinéma en 61 dans Les Blues Blanches de Phil Carson. Il tournera au total une cinquantaine de films, dont Le Jour le plus long dans le rôle d'Arranger, Les Centurions de Mark Hobson aux côtés d'Anthony Quinn et d'Alain Delon, qui a peur de Virginia Woolf de Mac Nichols dans un second rôle qui lui rapportera une nomination aux Oscars. Il sera également à l'affiche du film de guerre Le Pont de Remagen réalisé par John Guillermin partagera la vedette avec Barbara Streisand dans la comédie romantique La chouette et le Pussycat d'Herbert Ross, sera un des quatre malfrats dans le film de Peter Yates, un écrivain en herbe dans a Touch of Class, une comédie autour de la guerre des sexes, et Les Flambeurs réalisé en 1974 par Robert Altman. Georges Segal a déjà une carrière bien remplie jusqu'ici, mais en dehors du Toboggan de la Mort et la Grande Cuisine de Ted Kochev l'année suivante, on lui proposera moins de premiers rôles. En 1979, il quitte le tournage du film Ten de Black Edwards pour protester contre le contrôle exercé par sa co-star Julie Andrews, l'épouse du réalisateur, et ses deux de l'amour qui reprendra le rôle. On le verra néanmoins dans quelques films qui connaîtront un beau succès au box-office comme À maman moment ici bébé en 1989, Disjoncté de Ben Stiller ou encore Leçon de séduction de Barbara Streisand. George Segal était un acteur discret et talentueux qui bénéficiait d'une belle cote de sympathie auprès du public américain en particulier pour ses prestations dans des comédies. Il décédera en 2021 à l'âge de 87 ans. Thanks. That doesn't mean anything. Why does it? Look, we carry Benny because he's been around since the place opened, but half a time he isn't sure whether it's day or night. He drinks. No. But he's an old man. Spends a lot of time talking to his wife. When she died. He was never married. Richard Winmark est né le 26 décembre 1914 dans le Minnesota où son père dirigeait un magasin. Rejeté par l'armée en raison d'un tympan perforé, Winmark commence à apparaître dans des productions théâtrales en 1943 lorsque la Fox lui signe un contrat de 7 ans. Il se fait très vite remarquer en interprétant un méchant particulièrement sadique dans Le Carrefour de la Mort, réalisé par Henry Hathaway en 1947. Rôle qu'il a failli rater car le réalisateur ne voulait pas de lui prétextant qu'il avait un visage d'intello, mais il fut finalement imposé par le patron du studio Daryl F. Zanuck. La scène où il pousse une vieille femme en fauteuil roulant dans un escalier marquera le public de l'époque. Oh ah Sa performance dans le film lui a valu une nomination aux Oscars et surtout une reconnaissance immédiate d'Hollywood. Dans les années 50 et 60, il sera à l'affiche d'une poignée de films considérés aujourd'hui comme des classiques, Panique dans la rue d'Elia Kazan, Le port de la drogue de Samuel Fuller, Le jardin du diable d'Henri qui aura finalement changé d'avis sur Winmark, L'homme au colte d'or d'Edward Mitrick avec Henri Fonda et Anthony Quinn, Alamo de John Wayne, Jugement à Nuremberg, Une passionnante réflexion sur la banalisation du mal réalisée en 61 par Stanley Kramer, Police sur la ville de Don Siegel, qui sera décliné en Syrie 4 ans plus tard avec toujours Richard Winmark dans le rôle principal. Les années 70 et 80 lui offriront encore quelques personnages intéressants comme dans le très bon L'ultimatum des trois mercenaires de Robert Aldrich, La théorie des dominos de Stanley Kramer ou encore Mort suspect réalisé par Michael Crichton en 78. Winmark fera sa dernière apparition au cinéma en 91 dans Le jeu du pouvoir et prendra ensuite une retraite bien méritée. N'ayant plus la patience d'attendre 12 heures sur un plateau pour faire 2 minutes de film. Homme calme et excessivement timide, Winmark a souvent joué des tueurs, des flics, bien qu'il détestait les armes et la violence. Dans une interview réalisée en 1976, il dira Je suis un fervent partisan du contrôle des armes à feu il me semble incroyable que nous soyons la seule nation civilisée à ne pas mettre en place un contrôle efficace sur les armes à feu. Ce très grand acteur est décédé le 24 mars 2008, à l'âge de 93 ans. You know something? What you remind me of the man I work for? I don't like him either. <laughs> really seemed nice enough to me. You talked to him. Sure, you had to have an official leave of absence. He was very cooperative. I don't want an official leave of absence. Yeah, that's what he said you'd say. Now listen. I don't know about you, but I want this man put away. At the moment, it's not wise to cross him. Timothy Bottoms était loin d'être un débutant quand il est engagé sur le toboggan de la mort, puisqu'il a obtenu son premier rôle au cinéma dans ce qui est sûrement le plus puissant film anti-guerre produit par les Américains, Johnny S'en va en guerre de Dalton Trumbo. Le soldat défiguré et démembré qui implore qu'on mette fin à sa vie, c'était lui. Timothy Bottoms est né le 30 août 1951 en Californie et se retrouve très vite dans la liste des jeunes acteurs prometteurs au début des années 70 avec Jeff Widges et Sibyl Shepherd. La future vedette de la série Claire de Lune. Les trois seront à l'affiche du film de Peter Bogdanovich, La Dernière Séance, qui sera un énorme succès au box-office américain. Toutefois, la suite de la carrière de Bottoms ne sera pas aussi mémorable que celle de son collègue Jeff Bridges, qui aura fait des choix plus judicieux. En dehors du toboggan de la mort, Timothy Bottoms fera une prestation remarquée dans La chasse au diplôme de James Bridges on le verra également dans le film Catastrophe l'ouragan dans Le raté l'invasion vient de Mars de Tob Hooper dans L'Oncle Sam de William Lustig et tout un tas de films et téléfilms dont la plupart sont inédits chez nous. En 2001, il apparaîtra sous les traits du président George W Bush dans une série humoristique diffusée en son temps sur Canal+, Bush président. Son dernier rôle au cinéma date de 2019 et l'acteur reste essentiellement actif du côté de la télévision. What do you think of point? Says he's Harry. They pay me, and if they do what I say, I'll never bother them again. Are you sure? Maybe you enjoy it. Wrong psychological profile, Harry. I'm not in this for kicks. Oh yeah, I know. It's only the money. You're a businessman, and in a corrupt society, you know worse than anybody else. We all cheat on our taxes. Detroit makes defective cars. I'm not enjoying this conversation, Harry. Then get yourself another messenger boy. de Strasberg était une actrice américaine née à New York le 22 mai 1938. fille du metteur en scène et du créateur de l'Actor Studio Lee Strasberg, elle fait sa première apparition sur le grand écran dans le mélodrame de Vincent Pinelli La Toile d'araignée. Comme pour Timothy Bottoms, la suite de sa carrière ne contient pas de films marquants. En dehors du Toboggan de la mort, elle sera à l'affiche dans des séries B telles que Le faiseur d'épouvante en 78 et Delta Force de Menahem Golan. En 90, on lui diagnostique un cancer du sein qui conduira à son décès 9 ans plus tard à l'âge de 60 ans. Mm -hmm. If you're trying to kill us, at least let me put on some lip gloss. Oh, I, I was thinking about the first cigarette I ever smoked. It was a camel. No filter. You just passed the house. What? The house. Remember where you used to live? Je ne vais pas retracer ici la carrière de cet autre acteur mythique, puisqu'il n'apparaît que dans trois courtes scènes, et qu'un autre film, dans lequel il a un des rôles principaux, fera l'objet d'une rétrospective. Les deux films qu'il tournera avant Le Toboggan de la Mort sont La Bataille de Midway de Jack Smith et le nanar italien Tentacule. Les deux suivants seront La Grande Bataille, réalisée par un autre grand spécialiste du nanar, Umberto Lenzi, et le drame Fedora de Billy Wilder. You bastard. Shame about that roof I wish you hadn't pulled me off the inspection team. I'm pretty good at spotting substandard materials. It was your nephew's construction company, wasn't it? How long will you be gone? Day or two. Better go home and get packed. Thanks a lot, Harry. You're a big disappointment to me. Acteur américain d'origine italienne, né à New York en 1925. Harry Guardino était un second rôle très apprécié, bien qu'il n'ait pas tourné dans un grand nombre de films. Il est apparu quatre fois aux côtés de Clint Eastwood dans le premier et le troisième Inspecteur Harry, puis D'où Dure et Dingue et sa suite. On le verra également dans Monsieur Saint-Yves de Jack Lee Thompson. Notons aussi la première apparition au cinéma de Helen Hunt, vue entre autres dans Twister de Yann DeMont et dans Ce que veulent les femmes aux côtés de Mel Gibson. Celle de Greg Wasson, qui sera quelques années plus tard la vedette de Body Double de Brian De Palma. Et enfin, celle de Steve Guttenberg, futur héros des Police Academy, ou encore de Cocoon de Ron Howard. Le toboggan de la mort est un peu le bébé du producteur Jennings Lang, un ancien agent devenu vice-président du studio Universal au début des années 70. On lui doit la série des Airports, mais aussi deux films réalisés par Clint Eastwood. Un frisson dans la nuit et L'homme des hautes plaines, ainsi que Tuer Charlie Varick » de Don Siegel et Tremblement de Terre de Mark Robson. Pour l'écriture du scénario, Lang a fait appel à deux de ses anciens associés, Richard Levinson et William Link, qui ne sont autres que les créateurs de la série Colombo et qui étaient encore sous contrat chez Universal. Ce n'est pas leur premier travail en tant que scénariste, puisqu'ils avaient déjà collaboré sur l'Odyssée du Edinburgh, réalisé par Robert Wise en 1975. C'est en mars 1976 que le réalisateur James Goldstone est officiellement embauché sur proposition de Jennings Lang, qui venait de produire son dernier film, Le Pirate des Caraïbes. Une fois le scénario terminé, Universal annonce la production du film en juillet 1976, puis le nom des principaux comédiens un mois plus tard. George Segal était représenté par la légendaire agence Sue Menger, connue pour obtenir un meilleur salaire pour ses clients. Elle n'a pas hésité à harceler Universal pour qu'il verse à Segal un million de dollars soit le même montant exigé par le terroriste dans le film. Menger avait visiblement le sens de l'humour, mais le studio a résisté, ce qui n'a tout de même pas empêché de verser 750 000 dollars à Segal, son plus gros salaire, tout rôle confondu. La plupart des acteurs jouant les policiers dans le film étaient des vrais policiers, l'un d'eux était même un véritable expert en déminage au moment de la production. Le tournage principal a débuté en septembre 1976 et a duré 12 semaines. Pour la longue séquence dans laquelle George Segal doit remettre l'argent aux terroristes, l'équipe s'est déplacée dans un grand parc d'attractions en Virginie, que la production a dû remettre à neuf car ses montagnes russes étaient vieillissantes. C'est là aussi qu'a été filmé le crash qui donne le coup d'envoi du film et qui blessa deux cascadeurs, heureusement sans gravité. A l'origine, ce crash était nettement plus graphique avec des corps éjectés dans tous les sens et plus de sang lorsque les voitures déraillent et basculent, mais la scène a été considérablement atténuée pour éviter un classement R. Quant au plan de fin original, il montrait le jeune terroriste se coinçant les pieds dans les montagnes russes alors qu'il essayait de sauter et ses jambes étaient coupées par les voitures. Cela a été jugé beaucoup trop graphique et la scène a été modifiée pour qu'on ne voit aucun impact, juste son corps jeté au sol. La séquence finale a été tournée dans un autre parc situé en Californie et a demandé la présence de 900 figurants. Le toboggan de la mort est le troisième film présenté en sensoround, une configuration spéciale composée de quatre énormes haut-parleurs basse fréquence Prêté par les distributeurs à certains cinémas projetant le film. Les deux autres étaient Tremblement de terre en 74 et La bataille de Midway en 76. Le système, utilisé ici dans les séquences déroulant sur les montagnes russes, était si puissant qu'il craquait le plâtre de certaines salles de cinéma. Le dernier film à utiliser ce procédé est la version cinéma de Galactica en 78. Something funny, Calder. You really think he doesn't have a way to get it out of you? You know, I'm getting damn tired of your misplaced admiration. Then drive me to the airport and put me on a plane. Gladly. Make the arrangements. Le compositeur, pianiste et chef d'orchestre argentin est né le 21 juin 1932 à Buenos Aires. Bien qu'il soit surtout connu pour sa musique de cinéma et de télévision, Lalo Schifring a également eu un impact historique dans le monde du jazz et du classique. C'est à l'âge de 6 ans que le jeune Schifring entame des études de piano, puis commence à étudier l'harmonie à 16 ans. Sous contrat pour la MGM, il s'installe en 1963 à Hollywood et écrit sa première musique pour le cinéma, Sur la piste du rhinocéros blanc et les talents de Lalo Schifrin ont d'abord été reconnus par les téléspectateurs pour avoir composé deux des plus célèbres génériques de l'histoire de la télévision américaine, Mission Impossible et Manix. Entre ces deux génériques cultes, Schifrin composera pour le cinéma certaines de ses musiques les plus remarquables, en y intégrant souvent des éléments de jazz, de l'hit, Luc la main froide, de l'or pour les braves, où il n'oubliera pas de faire un petit clin d'œil à A New Morricone, L'inspecteur Harry et tous les autres épisodes de la saga sauf L'inspecteur ne renonce jamais, ou encore THX 1138 de George Lucas. En 73, sa musique pour l'exorciste est rejetée par William Friedkin, qui n'aime pas son approche, mais Schiffring se rattrapera quelques années plus tard avec la flippante partition d'Amétyville La Maison du Diable de Stuart Rosenberg. Dans les années 80, il reste encore très productif puisqu'il composera près de 30 bandes originales, parmi lesquelles Brubaker de Stuart Rosenberg. « Classe 84 » de Mark Lester ou « La peau » de Liana Cavani. À partir des années 90, il se consacrera essentiellement à l'écriture de nombreux concertos, opéras, ballets et œuvres théâtrales et composera qu'un petit nombre de musiques de films, en particulier la trilogie « Rush Hour » de Brett Ratner. Compositeur et musicien très doué, Lalo Schifring a désormais pris sa retraite après un parcours exceptionnel où il aura mis en musique plus de 100 films. Pour « Le toboggan de la mort », il a composé une partition éclectique qui mélange funk, jazz et de la musique orchestrale plus conventionnelle pour les scènes de suspense. Un CD contenant la presque totalité de la bande son entendue dans le film est sorti en 2001. Malheureusement, une masterisation s'impose car l'enregistrement est vraiment de piètre qualité. Alors je mets de côté certains éléments musicaux propres aux 70s qui sont difficilement écoutables aujourd'hui. En revanche, toutes les musiques qui accompagnent les moments de tension fonctionnent encore très bien. Tout comme le thème mélancolique de Harry joué à la trompette solo. Autre morceau vraiment intéressant et bien écrit, Calliope of Death, qu'on peut entendre dans une scène de transition, même si toute la piste n'a pas été utilisée dans le film. Au final, et en dehors de certaines musiques sources, la partition de chiffring pour le toboggan de la mort est d'une parfaite efficacité. La fiche française se démarque pas mal de la fiche américaine. Cette dernière est plus simple et reprend un peu les codes des films catastrophes de cette époque. Avec la photo des principaux acteurs, plus l'image du roller coaster sur fond bleu. Je préfère de loin l'affiche française, avec son ciel menaçant et ce personnage qui regarde avec une paire de jumelles le déraillement des wagons. La seule chose que je n'aime pas, c'est le titre français, mais on ne peut pas tout avoir. L'allemand est sympatoche, mais très typé années 70 quand même. L'espagnol reprend quelques éléments de la française et met surtout en avant les principaux protagonistes. La polonaise, eh bien, euh, elle est moche, tout comme la police utilisée pour le titre. Le nom de l'acteur qui joue le terroriste n'est même pas mentionné, il faudra se contenter d'une image. La japonaise est un mélange de la française, de l'américaine, de l'allemande, avec une petite pincée d'exagération, mais elle n'est pas trop mal, cela dit. Et voici une affiche US alternative que je trouve moche là aussi. Je garde donc la belle affiche française car, contrairement aux autres, je trouve qu'elle pourrait encore faire son effet si le film sortait aujourd'hui dans les salles. N'hésitez pas à donner votre avis sur celle que vous préférez dans les commentaires. Le film est sorti le 10 juin 1977 aux États-Unis, à peu près au même moment que La guerre des étoiles. Autant dire qu'il a subi violemment cette concurrence bien que les deux films n'appartiennent pas au même genre. Résultat, seulement 8,2 millions de dollars de recettes pour un budget estimé de 9 millions. Triste échec, car le toboggan de la mort méritait mieux que ça. Chez nous, le film est sorti le 26 octobre 1977. Il réalisera un petit score de 785 000 entrées, pas déshonorant, mais pas extraordinaire non plus. Le toboggan de la mort a été vendu à tort. Comme un film catastrophe, même si certaines scènes cochent les cases de ses productions qui ont rempli les caisses des studios au début des années 70. En effet, nous sommes plus ici dans un suspense à la Hitchcock que dans une histoire de survie au cœur d'un désastre. Alors j'ai eu la chance de découvrir le film lors de sa sortie en salle et j'en avais gardé un très bon souvenir. Pour l'avoir revu encore tout récemment, mon avis n'a pas changé. Je considère toujours le toboggan de la mort comme une réussite dans son genre. La première de ses qualités, et de ne jamais expliquer les motivations du terroriste. On ne connaît pas son nom et on ne saura jamais rien de son passé. C'est un peu monsieur tout le monde, poli avec les gens qu'il croise, accepte même de les prendre en photo, bref, il a tout du genre idéal, et nous sommes bien loin du méchant caricatural vu dans de nombreux films hollywoodiens traitant du terrorisme. Il est de plus intelligent, et on finit presque par avoir de la sympathie pour lui à la fin. Toutefois, cette approche n'était pas voulue dès l'écriture, puisqu'il était prévu d'inclure une scène dans laquelle le jeune homme parle au téléphone avec sa mère, pour établir le motif de ses actions. Mais le réalisateur et les scénaristes ont pensé que le suspense fonctionnerait mieux auprès du public si le mobile n'était pas connu. La seconde qualité rejoint un peu la première, car le héros, et je mets ce mot entre guillemets, est en fait un anti-héros, tout comme le film est anti-spectaculaire. Henry Colder, brillamment interprété par un George Segal tout en ironie et en sarcasme, est un personnage plutôt passif dans l'action. Il est en conflit avec son patron, se heurte à l'autorité du FBI. Il subit plus qu'il n'agit, à part dans la dernière bobine, mais même là, il est plus dans la position d'un observateur que dans celle d'un homme d'action. C'était une approche intéressante pour l'époque, et c'est ce que j'apprécie dans ce film. Richard Winmark est comme toujours impeccable dans le rôle de Hoyt, l'agent du FBI. Les échanges entre lui et Georges Segal ne manquent pas de sel, et j'en arrive à cette autre qualité, les dialogues. Ils sont plutôt bien écrits, certaines répliques font mouche. Là encore, on sent une véritable volonté d'aller au-delà du simple film de genre. Enfin, la mise en scène de Goldstone est particulièrement efficace et comporte quelques beaux plans aériens. Alors certains diront qu'elle est fonctionnelle, mais ce n'est certainement pas un défaut à mes yeux. Les plans filmés en caméra subjective à l'avant des wagons sont impressionnants. La sensation de vitesse est bien présente, surtout quand on découvre le film dans une grande salle de cinéma. Cette utilisation de la caméra subjective nous vaut d'ailleurs le plan le plus étonnant du toboggan de la mort et donc je me demande encore aujourd'hui comment il a été réalisé. Outre la thématique terroriste, le film soulève aussi des questions importantes sur la sécurité des attractions et la responsabilité des propriétaires de parcs. En résumé, le Tobran de la Mort n'est pas un chef-d'œuvre, mais un très bon divertissement au charme vintage qui ne va pas forcément dans la direction attendue par les amateurs du genre, et c'est tant mieux. On assiste à un passionnant jeu du chat et de la souris entre Calder et le jeune terroriste, et même si le film n'échappe pas à certains clichés et quelques facilités scénaristiques, il offre suffisamment de suspense et de rebondissement pour vous tenir en haleine jusqu'à la fin. Four, five, six. Is that better? better. What next? Get on the right, please hurry. Hey, can't we simplify this? Have to keep you moving. Sorry, Harry. Just try to enjoy yourself. Have a good time. Un DVD et un Blu-ray du film est disponible en France depuis 2017 et trouvable encore facilement. L'image du Blu-ray a été restaurée elle offre un beau piqué, une colorimétrie flatteuse et des noirs denses. Certains plans sont un peu plus doux, mais globalement, cette édition est vraiment satisfaisante. Un seul supplément, avec un journaliste français qui revient un peu sur la jeunesse du film et le déclin des films catastrophes. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et on se retrouve très vite pour une rétrospective consacrée à un film interdit au moins de 13 ans. A bientôt, bye bye